Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je crois, est la meilleure idée que j'ai pu avoir depuis le début de ma chaîne. Je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de publicité. Et pas n'importe quelle publicité, puisque j'ai constaté un truc, alors c'est pas du tout ni un reproche, ni une critique, absolument pas, hein. Chacun est libre de gérer sa chaîne comme il l'entend, bien entendu. Donc, que ce soit les amis, les collègues, les autres youtubeurs, ne vous sentez absolument pas concernés par ce que je vais dire, c'est ma propre décision de ce que je vais annoncer ici sur cette vidéo. J'ai constaté que il y avait sur YouTube très peu d'endroits où on pouvait faire sa publicité. C'est-à-dire que si on a envie de partager sa propre chaîne, hein, ce qu'on propose, ça peut être des services, ça peut être des créations, hein, par exemple pour tous les petits artisans, les petits auto-entrepreneurs, où parfois c'est très compliqué de se faire de la clientèle, de la publicité, etc. Très souvent, il faut payer des supports de publicité. Ensuite, bon, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est le même problème. Il existe parfois certains groupes qui sont dédiés à de la publicité, mais le problème c'est qu'on peut trouver absolument tout et n'importe quoi, hein. Ça va de la vente d'une voiture à des services monétiseurs en passant par de la cuisine ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout fouillé et je trouve ça compliqué, surtout dans notre domaine à nous, l'ésotérisme, de se faire une réputation, d'avoir de la visibilité. Donc je me suis dit, tiens Jo, pourquoi pas créer une fois par mois une vidéo qui sera intégralement dédiée à la publicité de ta communauté. Donc vous le saurez, tous les samedis, le dernier samedi du mois, on fera une vidéo qui sera complètement dédiée et réservée à la publicité. C'est-à-dire qu'en commentaire, vous allez pouvoir mettre soit la publicité de votre propre chaîne, de votre page Facebook par exemple, de votre compte Instagram, bref, tous les supports que vous voudrez, ça peut être un site internet, etc., pour vous aider à vous lancer, pour avoir une meilleure visibilité, pour avoir aussi de la clientèle, hein, parce qu'on va pas se mentir, la publicité, c'est aussi et avant tout pour se faire de la clientèle en plus de se faire connaître, hein. On va parler quand même chiffres. Et je me suis dit que ça pourrait être un joli geste de soutien pour tous ceux qui ont du mal à se lancer. J'ai la chance, entre guillemets, maintenant de faire partie des chaînes relativement moyennes, hein, avec plus de 5000 abonnés. Du coup, je pense que je suis rentré dans la première fourchette haute des chaînes intéressantes. Donc, je me suis dit, voilà, qu'on pourrait faire ça. Alors, en revanche, je vais avoir certaines conditions à vous demander sur la publicité que vous allez faire. Comme vous en doutez, c'est quand même une chaîne à la base qui est sur l'ésotérisme, la magie, etc. Donc, j'aimerais autant que faire se peut que la publicité qui soit mise dans les commentaires soit en lien avec cet univers. Donc, soit tout ce qui touche au Reiki, aux soins, l'énergie, magnétiseur, radiesthésie, etc., etc. Ça peut être des créations de bijoux, des créations de pochons, des créations d'oracles, etc., etc. Ça peut être un nouveau livre qui va paraître chez un éditeur. Ça peut être des livres aussi, tout simplement, que vous avez envie de partager avec la communauté. Hein, comme moi, par exemple, je le fais à travers mes reviews, mes vlogs, etc. Donc, si vous-même, vous avez un produit phare que vous adorez, ça peut être un jeu, un livre, n'importe quoi qui touche au milieu de l'ésotérisme, eh bien, vous pourrez le partager ici. Ça peut être, donc, comme je l'ai dit, des pages, des sites, des forums, des chaînes YouTube. Mais voilà, tout ce que je vous demande, c'est que ce soit en lien avec l'ésotérisme. Ça peut être aussi de la musique, des musiques zen, des musiques d'ambiance, des musiques pour travailler. Bref, ça peut être plein de choses, tout ce que vous voulez. La seule condition, c'est que ça respecte ce critère, que ce soit en lien avec l'ésotérisme de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire, n'allez pas mettre le partage d'une publicité pour la Renault Mégane que ça fait 6 mois que vous n'arrivez pas à vendre, hein. Enfin vous voyez, pas des choses, c'est pas non plus le bon coin, hein, la chaîne, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et aussi dans les commentaires, je vais vous demander quelques critères, c'est-à-dire ne balancez pas juste le lien du truc sans rien, parce que je vous cache pas que je le supprimerai. Pour que ça soit intéressant, pour que vous puissiez avoir une bonne visibilité, présentez-vous, présentez ce que vous faites, hein, si vous êtes artiste, indépendant, auto-entrepreneur, créateur, etc., etc. Donc présentez-vous rapidement, hein, mettez pas votre biographie, je suis né en 1947, j'ai 3 enfants, 2-3 maris différents, de machin. Non,
On s'en fout de tout ça. Vous vous présentez de façon professionnelle, c'est ce que je veux dire. Et puis vous présentez aussi rapidement, en quelques mots-clés, hein, vous ne faites pas des gros pavés, mais en quelques mots-clés, vous présentez le contenu de ce que vous mettez en lien. Si par exemple c'est un site qui va traiter des cristaux, des soins énergétiques par les pierres, etc., bah voilà, vous marquez lithothérapie spécialisée dans les soins énergétiques avec les cristaux. Voilà, une petite phrase d'accroche comme ça pour que tout de suite, quand on lise le commentaire, on sache de quoi ça va parler lorsqu'on va cliquer sur le lien, tout simplement. Et puis voilà, et puis j'ai envie de dire, si vous avez envie de parler plus en détail, hein, par exemple si c'est un livre, si c'est un jeu, si c'est, je sais pas moi, quelque chose qui vous a fait vibrer, pourquoi pas, ça peut être des films aussi, hein, des films avec la thématique de magie, des films qu'on connaît pas forcément, des thématiques magie, voyance, spiritisme, horreur, ce qui est rattaché au démon, aux anges, ça peut être des séries, bref, tout ce qui aura un lien, comme je vous l'ai dit, de proche ou de loin avec l'ésotérisme, même l'astrologie, enfin vous voyez, vraiment toutes les sciences occultes, les sciences parallèles, hein, d'accord, n'hésitez pas à le partager. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez, si vous voulez, argumenter, mettre un petit texte supplémentaire, voilà, c'est vraiment vous, vous êtes libre de pouvoir défendre votre affaire et de le présenter comme vous en avez envie, et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous dédier un endroit, parce que je vous l'ai souvent dit que certes c'est ma chaîne, je la gère comme j'en ai envie, je mets le contenu que je veux et je fais ce que j'en ai envie avec, mais en même temps je me dis, c'est vrai qu'on a tous commencé un jour, même ceux qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés, ils ont tous commencé un jour avec rien, avec zéro abonné, et ils ont dû comme ça monter les échelons. Il y en a, ils ont pu avoir plus de chance que d'autres, hein. Il y en a, ça fait des années qu'ils sont sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, et Iram, ils n'arrivent pas à monter leur truc. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir une chaîne, enfin au moins quelqu'un, je sais pas, va savoir, peut-être que du coup je donnerai le mouvement et qu'il y aura d'autres chaînes qui me suivront, mais je me suis dit que ça pouvait être bien, quand on a la chance d'avoir une communauté déjà importante, ça peut être bien de proposer ce service à des personnes qui aussi en ont besoin et qui méritent, hein, parce que pour moi je suis pas du tout dans la concurrence, je suis pas dans le truc où il faut écraser son voisin, ou c'est hein, on tire le maximum de couverture qu'on peut avoir et qu'on se garde pour soi, non, je suis pas du tout dans ce trip là, mais alors vraiment pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé le nombre d'abonnés de la chaîne, parce que ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi, de savoir combien il y a d'abonnés sur la chaîne, ça ne regarde personne d'autre. Donc je, comme je suis pas dans ce délire là de comment ça s'appelle, d'être en rivalité, en concurrence, etc. C'est pas un concours, il y a de la place pour tout le monde, surtout sur internet, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut avoir son mot à dire, tout le monde a le droit d'avoir quelque chose et de faire quelque chose, hein. Je veux dire, chaque personne a un talent particulier. Il y en a qui sont super doués pour le dessin, d'autres pour la couture, d'autres pour le sport, d'autres pour plein d'autres trucs. Donc pourquoi essayer de se marcher sur les pieds, sachant qu'on a tous une vision différente. Je vais prendre un exemple très concret, hein, mais imaginons qu'il y ait 5 chaînes qui possèdent l'oracle fantabuleux, et les 5 chaînes vont faire le même type de vidéo que ce que j'aurais pu faire avec mon jeu. Eh bien certes, ça sera la même thématique, le même sujet abordé, peut-être la même méthode de tirage, mais chaque vision sera personnelle, et par conséquent les 5 ne sont pas en concurrence, mais les 5 peuvent se compléter et se regrouper, puisque chacun en fait va apporter un petit caillou supplémentaire à l'édifice. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. J'estime qu'on est tous dans la même galère, dans le même bateau, on va tous dans la même direction, donc pourquoi se marcher sur les pieds, pourquoi se pourrir, etc. C'est complètement ridicule. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle juste donc les petits critères. Vous mettez en bas dans le commentaire donc une petite description de qui vous êtes, de ce que vous proposez, de pourquoi vous le partagez. Vous mettez ensuite votre lien et puis voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Donc je vous le redis, ça sera tout le dernier samedi du mois. À chaque fois, on fera une petite vidéo spéciale publicité où vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires. Voilà, c'est vrai. Dites-vous que les commentaires, c'est vraiment votre espace libre pour vous. Sachant que vous pouvez très bien mettre plusieurs commentaires. Imaginons que vous ayez envie de partager un super tarot que vous avez trouvé sur un site, dans une librairie ou autre. Et puis, il y a aussi
un super livre dont vous voudriez parler, et puis vous êtes tombé aussi sur un super site de, je sais pas, de lithothérapie, de ce que vous voulez, d'astrologie, etc. Vous avez envie de le partager. Si vous voulez mettre 10 commentaires sur 10 choses différentes, vous êtes libre de le faire, hein, parce que, qu'on soit bien d'accord, l'espace pub, c'est pas forcément réservé aux professionnels qui ont besoin de se faire de la publicité, de se faire connaître, mais ça peut être aussi des indépendants qui n'ont pas forcément ni réseaux sociaux, ni chaîne YouTube, mais qui ont envie de partager un truc pour lequel ils ont eu un coup de cœur ou qu'ils ont envie de faire découvrir parce que c'est pas très connu ou tout simplement parce qu'ils ont envie de le partager, hein, ils ont envie de partager leur joie et voilà. Je veux vraiment que chacun puisse trouver son espace dans l'espace commentaire. Donc bien entendu, mais ça je me fais pas de soucis, j'ai jamais eu de problème avec vous à ce niveau-là. De la courtoisie, du respect, de la tolérance, mais hein, voilà, ça j'ai envie de dire, c'est des choses classiques, j'ai même pas besoin de vous les répéter, hein, parce que les brebis galeuses, sur toute l'histoire de la chaîne, il y en a eu très 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 peu, et j'ai dû intervenir que très 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 rarement. Vous êtes une communauté en or, donc continuez comme ça. Voilà, allez, donc je vous laisse maintenant avec votre espace commentaire, n'hésitez pas, allez-y, c'est à vous de jouer, je vous embrasse fort, et on se retrouve très vite, le samedi dans un mois pour faire une nouvelle page de publicité.